identifier les axes de collaboration et de synergie à renforcer entre les acteurs impliqués dans la lutte, vulgariser les mécanismes d'orientation des victimes de traite après identification et améliorer la compréhension des techniques d'identification des victimes de traite de personnes. Tels sont les quelques axes de réflexion qui ont guidé cet atelier de 2 jours à Libreville. Un séminaire qui a réuni les acteurs du système judiciaire, les Nations Unies, la société civile et les membres du Parlement gabonais de transition. Il s'agissait pour nous, après avoir mis en œuvre un certain nombre de projets, de nous réunir et de capitaliser tous ces efforts que nous avons eu à faire et de détenir une feuille de route qui pourra servir aux prochaines actions. Le phénomène continue et vous le savez, c'est un crime qui profite à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de bourreaux, des réseaux criminels derrière justement cette activité qui est très lucrative. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet « Améliorer la lutte contre la traite en renforçant les mécanismes nationaux existants au Gabon », un projet mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, dont le but est de faire reculer au maximum la traite des personnes au Gabon, qui constitue la 3e activité illégale la plus lucrative au monde. En fait, le législateur vous invite à dénoncer les cas de traite de personnes dont vous avez connaissance. Ça permet ensemble, ça vous permet vous aussi de participer dans cette action de lutte contre la traite de personnes. Le gouvernement gabonais a fourni des efforts considérables dans le domaine de la traite des personnes au Gabon avec l'adoption le 23 février 2024 du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de prévention de lutte contre la traite des personnes. Cet atelier a donc permis de faire un bilan exhaustif de la traite des personnes dans le pays en vue d'apprécier les efforts fournis par chaque acteur et de combler les manquements observés.